sweet the sound that saves a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Those grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious it the grace appear, the hour I first believe. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me. And like a flood, His mercy rains, unending love, amazing grace. The Lord has promised good to me. His word, my hope, secures. He will my shield and portion be as long as life endures. Chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me. And like a flood, His mercy rains, unending love, amazing grace. See?
shine to help God's people, a jewel to find in this last church age. A star shines bright, so friend, receive it, walk in the light. So just be could not hold.
Jesus Christ, my Lord. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name. Salut dans les précieux noms de notre Seigneur Jésus Christ. Greet you all in the name of our Lord Jesus Christ. Nous allons nous lever et nous lisons dans Psaume 145. We're going to stand and read Psaume 145. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. I will exalt you, my God, the King. I will praise your name forever and ever. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. Every day I will praise you and exalt your name forever and ever. L'Éternel est grand et très digne de louange et sa grandeur est insondable. Great is the Lord and most worthy of praise. His greatness no one can fathom. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. One generation comments your work to another. They tell of your mighty act. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. They speak of the glorious splendor of your majesty, and I will meditate your wonderful work. On parlera de ta puissance redoutable, et je rencontrerai ta grandeur. They tell of the power of your awesome works, and I will proclaim your greatness, your great deeds. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. They celebrate your abundant goodness and joyfully sing your righteousness. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. The Lord is gracious and compassionate, slow to anger and rich in love.
L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. The Lord is good to all. He has compassion on all he has made. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. All your work praise you, Lord. Your faithful people exalt you. Ils diront la gloire de ton règne et ils proclameront ta puissance. They tell of the glory of your kingdom and speak your might. Pour faire connaître au fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. So that all people may know your mighty acts and the glorious splendor of your kingdom. Ton règne est un règne de tous les siècles. Et ta domination subsiste dans tous les âges. Your kingdom is an everlasting kingdom, and your dominion endures through all generations. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent, et il redresse tous ceux qui sont courbés. The Lord is trustworthy in all he promises and faithful in all he does. Les yeux de tous espèrent en toi, et tu leur donnes la nourriture en son temps. The Lord upholds who all fails and lift up those who bow down. Is the eyes of all look to you and gives them their food at the proper time. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui est ta vie. You open your hand and testify the desires of every living things. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. The Lord is righteous in all his ways and faithful in all he does. L'Éternel est près de tout ce qu'il invoque, de tout ce qu'il invoque avec sincérité. The Lord is near to all who call on him. To all who call on him is true, in truth. Il accomplit le désir de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. He fulfills the desire of those who fear him. He hears their cries and saves them. L'Éternel garde tout ce qu'il aime et il détruit tous les méchants. The Lord watches over all who love him, but all the wicked he will destroy. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel, et que toute chair bénisse son saint nom, à toujours et à perpétuité. My mouth will speak his praise of the praise of the Lord. Let every creature praise his holy name forever and ever. Amen. Amen. Nous remercions le Seigneur pour ce matin. We thank the Lord for this morning. Il a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la consommation des temps. He promised to be with us every day until the end of times. Nous croyons qu'il est avec nous encore ce matin. And we believe that he's among us this morning. Nous chantons numéro 20 en français. We're going to sing number 20 in French. Thank you.
May the Lord bless you all. C'est une joie d'être ensemble. It is a joy to be together. Et de chanter et glorifier le Seigneur. And to sing and glorify the Lord. Pour moi, c'est le meilleur endroit où je peux être ce matin. For me, this is the best place which I can be this morning. Je voudrais que nous puissions saluer ceux qui sont là pour la première fois parmi nous. I would like to greet those who are here for the first time among us. Qu'ils veuillent bien se sentir à l'aise, qu'ils s'élèvent et nous allons les accueillir. Be comfortable and stand. We will all welcome you. Est-il quelqu'un? Is there anyone here for the first time? Okay. Alors, nous nous connaissons tous. We know one another. Que Dieu bénisse chacun de nous. May the Lord bless each one of us. Et nous avons des actions de grâce. We have thanksgivings. Lady, c'est notre frère Alain our et brother la sœur Alain, la sœur Mamie, ma and Mananga. Sister Mamie Mananga. Il dit nous exaltons la grâce, they la say, fidélité. They say we exalt the grace and the faithfulness. Ainsi la bonté de l'Éternel. And the goodness of the Lord. Qui nous ont été manifestés pendant 9 ans passés ensemble. During 9 years spent together. Pour ce faire, nous demandons à toute l'assemblée. We ask the entire church. De considérer avec nous cette écriture. To consider this scripture. De psaume 146. Of Psalm 146. Que Dieu bénisse notre frère Alain. May the Lord bless our brother Alain. Qu'il bénisse aussi la sœur Mamie. And bless also our sister Mamie. Je voudrais jeter un regard dans le psaume 146. Let's take a look in Psalm 146, donné. Which was given unto us. Psalm 146. Psalm 146. Il dit, mon âme loue l'Éternel, je louerai l'Éternel dans tout tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Amen. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour, leurs desseins périssent. Amen. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob. Qui met son espoir en l'Éternel son Dieu. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. Amen. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. Eight. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. Amen. L'Éternel protège les étrangers. Nine. Il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voie des méchants. L'Éternel règne éternellement. Ten. Ton Dieu, ô Sion, subsiste d'âge en âge. Louez l'Éternel. Amen. Que Dieu soit loué. May the Lord be praised. Nous avons aussi les remerciements du frère Mathieu Kainda. We also have thanksgiving from our brother Matthew. Il dit, je remercie le Seigneur said, pour son grand amour incomparable toward me. De m'avoir sauvé et protégé dans un accident de circulation for de having vendredi. Protecting me from an accident. Le 14 juillet. On the 15th. Que son, que son nom soit loué à jamais. May his name be praised forever. Et il nous a donné le psaume 147. And he gave us Psalm 147. Le verset 7 et 9. Verse 7 and 9. J'ai lu. Chantez à l'Éternel avec action de grâce. Sing célébrez to the son notre Dieu avec la harpe. Il ouvre les cieux des nuages. Il prépare la pluie pour la terre. Il fait germer l'herbe sur les montagnes, il donne la nourriture au bétail, aux petits du corbeau quand il crie. Amen. Que son nom soit loué. May his name be praised. Il dit, chantez à l'Éternel avec action de grâce. Il a repris ce que nous venons de lire. Et il a donné aussi en Corinthiens 15, verset 57. He also gave one, 1 Corinthians 57. Grâce soit rendue à Dieu. Glory be to qui God. Qui nous donne la victoire. Who give victory. Par notre Seigneur Jésus-Christ. Through Jesus Christ. Que sa volonté soit faite sur may moi. May his will be done to et me. Et il termine en disant Amen. And he finishing by saying Amen. Que Dieu nous bénisse tous. May the Lord et bless us all. Et bénisse Matthieu. And bless Matthew. Il a tiré sa voiture est abîmée.
His il car sa voiture, damaged. He loved so much his car, but it's damaged. Ça l'a un peu dérangé. That troubled him a little. La grande joie, c'est que Dieu l'a sauvé de cet accident. But the joy is that God saved him. Le matériel, le Seigneur sait pourvoir. The material, the Lord will provide. Que Dieu bénisse Mathieu. May God bless Matthew. Bénisse le couple Mananga. And bless the Mananga couple. And bless us all together. Nous avons été avec les enfants. I was with the teenagers. Dans l'école des adultes, on a parlé de 1 Corinthiens chapitre 13. Where we spoke of 1 Corinthians 13. On a commencé par leur demander par quoi on peut reconnaître qu'un enfant, disons qu'un quelqu'un est un bon chrétien. I started by asking them, how can you find out if someone is a good Christian? Il y a un signe. There is a sign. Parmi toutes les bonnes réponses qu'ils pouvaient donner. Among all those answers they could give. Un bon chrétien, il prie. A good bon Christian chrétien, prays. Il chante, un sings. Bon chrétien. Mais selon la parole. According to the word, nous devons avoir un témoignage. We have to have a testimony. C'est l'amour qui témoigne. It's the love that testifies. Le Seigneur a dit dans the Jean Lord 13, said in John 13, on connaîtra ceci que vous êtes mes disciples. You know by this that you are my si disciples. Vous aimez les uns les autres. If you love one another. Ainsi on a étudié avec eux 1 Corinthiens 13. Therefore I studied with them 1 Corinthians 13. Pour voir les différents aspects de l'amour. To see the different aspects of love. La Bible dit quand je chanterai. The Bible says when I'll sing. Quand j'aurai même la connaissance de toutes les prophéties. When I have the knowledge of prophecies. Si je n'ai pas l'amour. If I don't have je ne love, suis qu'une cymbale qui retentit. I'm just a cymbal which is making noises. Mais nous avons compris que l'amour excuse tout. Love excuses all tout. And pardon everything. Et cela, c'est comme on s'exhortait aussi hier. And this is like why we were exhorting en yesterday. Considérant ce qu'était l'Église au début. Considering what was the church at the beginning. C'est à cela que nous tendons. It is to that that we are going c'est toward. La restauration. It is the restoration. Hier, on a pu lire dans Acte 2. Yesterday, we read in Act 2. Comment était l'église au début? How the church at the beginning was. Ils étaient ensemble. They were together. Mais ils étaient un même cœur. But they were of one heart. Et la promesse que nous avons. And the promise which we have. Le Seigneur a dit que je vous retirerai d'entre les nations. The Lord said, I will take you from all nations. Pour nous l'église, il nous prendra d'entre toutes les dénominations. For us, the church, he will take us out of all the denominations. Et il dit, je vous rassemblerai sur votre terre. And he said, I will gather you on et your land. Je vous donnerai un cœur nouveau. And I'll give you a new heart. Pour me servir avec un même cœur. To serve me with one heart. Il faut que nous puissions désirer cela. We have to desire this. Comme on l'a entendu hier. As we heard yesterday. Lorsque nous traversons cette porte. When we cross this door. Qu'aucun n'ait de penser contre l'autre. No one should have bad thoughts against sinon, the other. Cela ne vous sert à rien. That won't serve you to anything. Entrez dans ce parvis. Come here. Avec tous animés d'une même pensée, being animated with the same les uns les thoughts, supporting nous one another, les uns les autres, loving one another. C'est ainsi que Dieu est parmi nous. That is how God is among us. Frère Branham disait, Brother Branham used ne to laissez say, jamais une pensée comme ça développer entre vous. Don't let such thoughts to develop in you. Cela éloignera Christ de votre vie. That will take away Christ in your même life. Dans l'assemblée, even in the church. Ce qui fait la beauté d'une assemblée, what makes the beauty of a church? C'est l'esprit. It is the spirit. L'amour. The love. Les gens qui s'aiment, qui se supportent. People who love one another and support one another. Que Dieu nous bénisse encore. May God bless us all. Nous voulons prendre ce peu de temps. I would like to take this little time. Pour méditer encore quelque chose et prier. To meditate something and then pray. On va lire dans Hébreux. On We're peut going se lever to encore. Read in Hebrew. Let's stand. Hébreux au chapitre 6. Hebrew chapter 6. Je peux oublier à partir du dimanche prochain. Nous aurons donc de la visite comme j'avais annoncé. Next Sunday we're going to have visits as I announced. Donc le samedi et dimanche prochain. Saturday and Sunday next week. Pendant ces deux semaines, nous aurons donc de la visite. Nous During vous demandons tous d'être two weeks, là. We have visits. I ask you all to be here. Écouter ensemble la parole de to Dieu. To listen the word of God. Nous lisons dans Hébreux. We're going to read in Hebrew. Au chapitre 6. Chapter 6. Commençons de le verset 13 jusqu'au verset 19. From verse 13 to 19. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. When God made his promise to Abraham, since he was no one greater than him to swear by, he swore by himself.
Et il dit, certainement je te bénirai, je multiplierai ta postérité. Saying, I will surely bless you and give you many descendants. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. And so after waiting patiently, Abraham received what was promised. Or les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à toutes leurs différends. People swear by someone greater than themselves. Their oath confirms what is said, puts in hands to all argument. C'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment. Because God wanted to make the unchanging nature of his purpose very clear to the heirs of what was promised, he confirmed it with the oath. Afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. God did this so that by two unchangeable things in which it is impossible for God to lie, we who have fled to take hold of hope set before us may be greatly encouraged. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. We have this hope as an anchor for the soul, firm and secure. It enters the inner sanctuary beyond the curtains. Ajoutons 20. Là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec. Where our forerunner Jesus has entered on our behalf, he has become a high priest forever in the order of Melchisedec. Prions encore, bien-aimés. Let's pray again, beloved. Ô Seigneur notre Dieu, nous voici devant toi, Père. Nous venons humblement, comme nous sommes convaincus que nous sommes des hommes dans la chair, mais nos paroles vont très haut, là où est ton trône. Merveilleux Seigneur, exauce nos prières. Répands ton esprit sur nous. Tu as des desseins, tu as un plan que tu as destiné dans cet âge, mon Dieu, d'amener une épouse, une église qui soit vraiment semblable à Christ. Nous voici, Seigneur, on a trouvé grâce à tes yeux. Tu nous as appelés par ta parole et nous voici encore ce matin. Tu fais tout par ta parole. Dispose nos cœurs et oins-nous pour l'annoncer. Donne-nous, Seigneur bien-aimé, à chacun de nous l'entendement spirituel et de bénir ce moment. Nous te le consacrons, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Loué soit le Seigneur. Blessed be the Lord. On disait hier. We were saying yesterday. Comme cela a été écrit dans 1 Corinthiens chapitre 1. As it is written in 1 Corinthians chapter 1. Au verset 21-22. Verse 21 and 22. La Bible dit. The Bible said. Que si. If. Donc les autres n'ont pas cru. If others did not believe. Mais Dieu a jugé bon de sauver le croyant par la folie de la prédication. But God found it good to save. Par l'écoute de la parole, by the listening of the word, le Seigneur sauve. The Lord saves. Par l'écoute de la parole, by the listening of the word, Dieu nous donne la foi. God gives faith. Et la foi ne vient pas de l'imagination. And faith does not come from imagination. La foi vient de ce qu'on entend. Faith comes from hearing. Et ce qu'on entend de la parole de Christ. And what we hear from the word of Christ. Nous sommes convaincus encore ce matin. We are convinced this morning. Que s'il ouvre notre entendement, that if he opens our understanding, il augmentera encore. He will increase again dans nos cœurs, in our hearts. L'amour, la confiance, the trust and love, et la la foi, and faith. En lui et en in sa him parole. And in his word. Combien c'est beau d'être ici. How good it is to be here. Entendre les gens chanter. Hear people singing. On aurait désiré rester comme ça. We desire to combien remain ça that sera way. Au ciel. How much more would it be in gloire heaven. Soit rendu à Dieu. Glory be to God. Pour tous les dons qu'il donne. For all the gifts he que gave. Son nom soit glorifié. May his name be praised.
Alors bien-aimés, ici nous voyons Paul qui écrit. Therefore, beloved, we see here Paul writing. Il n'a pas écrit à Abraham. He didn't write to Abraham. Mais il écrit à nous. But he's writing to us. Nous qui lirons ce livre. We who are reading this Paul book. Paul est venu Abraham déjà mort passé. Paul came, Abraham was already died. Mais il se réfère à Abraham. But he's referring to Abraham. Pour que vous aussi. So that you also vous imitez la foi d'Abraham. You can imitate the faith of Abraham. La foi est le soubassement de tout. Faith is the base of all. La Bible dit, the Bible saying, dans Hébreux 11, Hebrew 11, au verset 6, verse 6, sans la foi, without faith, il est impossible de lui être agréable. It is impossible to please God. C'est ce que nous devons comprendre. That is why we have to understand, beloved. Mais regardez ce qui est merveilleux ici. See what is wonderful here. C'est que Paul prend Abraham. Is that Paul is taking Abraham? Il dit que Abraham persévéra. He said Abraham persevered. Et il obtint ce qui lui avait été promis. And he attained which was promised to him. Nous avons aussi des promesses devant nous. We also have promises before us. La différence qui nous fait. The difference is avec les religions. With all the religions. Il y a la fois passée. Nous last pouvions time, épingler la parole prophétique. We could hang the prophetic word. Nous pouvons encore entrer profondément et vous dire. We can even go deeper and tell ce you. Ce qui fait la différence. What makes the difference? C'est que nous avons des promesses. Is that we have promises? Est-ce que vous suivez? Are you following? Nous avons des promesses bien-aimées. We have promises, beloved. Nous ne prions pas pour prier. We don't just pray. Nous voulons voir l'accomplissement de ce que Dieu nous a promis. We would like to see the accomplishment of what God ne promised. Ne perdez pas ça de vue. Don't lose that Abraham to your sight. Avait entendu. Abraham heard. Il connaissait ce que Dieu lui avait promis. He knew what God promised him. Et il a persévéré, il a obtenu. And he persevered and obtained it. Devant nous. Before us, le Seigneur a promis the Lord promised la restauration de toutes choses. Of all things. Nous ne sommes pas comptés, nous ne sommes pas encore arrivés. We are not there yet. Le Seigneur va le faire. The Lord will do it. Hier, on pouvait montrer yesterday we could show aussi sûr as sure is, que nous voyons Israël rentrer. We see Israel going back. Soyons convaincus. Let's be convinced avec l'Église aussi, that with the church le also, Seigneur fait. The Lord will do. Nous avons des promesses devant nous. We have promises before us. Qu'il va nous présenter devant lui-même. That he will present us before himself. Étant rendu semblable à Christ. Being like Christ. En toutes choses. In all things. Et nous attendons ça. And we are waiting for that. Nous avons des promesses devant nous. We have promises before que us. Que nous serons sans tâche. That we will be without blemish. Rien de reprochable. Nothing to reproach. Devant le Seigneur. Before the Lord. Nous croyons ça. We believe this. Nous attendons la pluie de l'arrière saison. We are waiting for the latter rain. Nous attendons l'enlèvement. We are waiting for the rapture. Toutes ces promesses là, all these promises sont devant nous. Are before us. Et nous avons besoin de persévérance. And we need to persevere. Pour obtenir, to obtain, comme Dieu avait promis à Abraham. As God promised Abraham, to Abraham a obtenu aussi. Abraham obtained also. Vous êtes dans l'église? Are you in the church? Mais regardez ce que Dieu fait. But see what God is doing. Avec les élus. With the elect. Le verset 17 dit, verse 17 is saying, c'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence, ce n'est plus Abraham, mais aux héritiers de la promesse, l'immuabilité ou bien l'inchangeabilité de sa résolution, intervint par un serment. Amen. 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 Ça, c'est en nous. This is for us. Comme il avait dit à Abraham, as he said to Abraham, s'il y avait plus grand que lui, if there was any greater than il him, allait jurer au nom de he would have sworn in mais the il name a of pas whoever. Plus grand que lui. But there is no one greater than him. Vous lisez dans Genèse 22, you read in Genesis 22, quand Abraham a voulu offrir son fils, when Abraham wanted to offer Dieu his son, a dit, maintenant je reconnais God said, now que I recognize m'aimes, that you love me. Mais ne pouvant pas jurer par un plus grand but, que lui. But he couldn't swear il a dit, on someone greater than him, but he said, certainly, je te bénirai. I will bless you. Alors qu'il l'avait déjà promis, he had already promised, il confirme par un serment. And confirmed by a et vote, Paul prend les deux and Paul is taking the two pour nous dire que to tell us en that, fait de montrer à vous to les héritiers que ces choses-là ne peuvent pas échouer, that these things cannot fail, Dieu intervient par deux choses. God intervened by par two lesquelles things, il est impossible à Dieu de mentir. By which it is impossible for God to lie. La promesse, the promise, et le serment, and the oath.
Tout ce que Dieu promet, all that God promises, c'est oui et amen. It is yes and il amen. Il va le faire. He will do it. Là où il n'y a pas de promesses, where there are no comme promises, dit toujours le roi de Frank, il n'y aura pas d'accomplissement. Say, there won't be any accomplishment. Les gens qui attendent que William Branham va revenir, il n'y a pas une promesse the comme people ça. That are waiting for Branham to come back, il n'y aura pas l'accomplissement. There won't be an accomplishment. Mais ce qui est promis dans la Bible, but which one is promised aura in the Bible, son accomplissement. Will have its fulfillment. La deuxième chose, the second thing, c'est le serment. It is the oath. Quand Dieu jure, when God swears, il se porte garant. He's, la chose doit arriver. The thing has to come to pass. Et pour la promesse, and for the promise, vous avez besoin de foi. You have to de need foi. Faith. You have regardez need Abraham to là. See Abraham. Abraham avait cru. Abraham believed. Mais tout au long de la marche, but during his walk, il commençait à s'en douter aussi. He was doubting. He la started foi doubting. Aussi peut faiblir. Faith can mais become en tant weak. Qu'élu, but as an le elect, Seigneur relevait la foi d'Abraham. The Lord il increased faith Abraham. In Abraham. He rescued him. Il lui avait dit, sors de ton pays. He told him, get out of je your te country. Un pays. I'll give you a land. Et tout ça, il croyait. He il believed. Marchait. He walked. Mais vous arrivez dans Genèse 15. But when you go to Genesis 15, Dieu dit, God said, marche devant moi. Walk before me. Ta récompense sera grande. Your recompense will je be great. Il dit, ah Seigneur, he voilà, said, je vieillis, je m'en vais. I'm old. Je m'en vais sans enfant. C'est Eliezer no qui est né kid. Dans ma maison. Eliezer who's born in my c'est house. Lui qui sera mon héritier. He's the one who be my heir. Dieu voyait que God saw Abraham, that Abraham, il veut faillir. Was il getting veut faiblir. Weak. Was getting weak. Dieu le secoue. God rescued him. Il lui dit non. He said no. Par la parole, il dit non, by his word, no, Abraham. Ce n'est pas Eliezer. It's not Eliezer. Mais celui qui va sortir de tes seins. But the one who will come from your womb. Il dit, sors avec moi. He said, come out il with me. Il sort. He came il out. Il dit, compte un peu les étoiles. He said, count the stars. Si tu peux le compter, if you can ainsi count sera them, ta postérité. That's how your offspring Abraham will be. Regarde, un, deux, Abraham trois, il dit non. Seigneur, je crois. He said, Lord, I believe. Et la Bible dit Abraham eut confiance en Dieu. And the Bible says Abraham et cela trusted lui God, fut imputé à justice. And that was granted to him as le righteousness. Seigneur nous secoue. The Lord rescues us. Nous convainc. And convince. Puisque vous êtes des élus, for you are elect, Dieu doit faire ça avec vous. God has to do this with you. Et il le prouve. And he proves que c'est avec vous that is qu'il va le you, faire. That is he will do it. Il y a des gens bien-aimés frères. There are people beloved brothers. Bon. S'il décide de prendre une mauvaise if voie, they decide to take a bad path, il s'en va, il s'en va. They go sans retour. Without coming que back, que pouvez-vous faire? What can mais you do? Un élu, but an c'est elect, pas possible. It is un, it is Dieu not doit possible. Te ramener. The Lord has will bring tu you back. Tu peux fuir comme Jonas tout. You can run like même Jonas. Dans le ventre, Dieu, even tu peux le rencontrer. Stomach, you dans can le ventre God, d'un poisson là-bas. In the stomach of a fish. Dieu s'est révélé de plusieurs manières. God revealed himself in many ways. Moïse l'avait rencontré dans le buisson ardent, dans le feu, dans la brousse. Moses met him in the bush of fire. Mais il le rencontrait aussi sur le propitiatoire. But he can also meet him on the atonement place. Et c'est comme ça avec le Seigneur. And that is how the Lord works. Et les chrétiens, and with les véritables croyants, the true believers, ceux qui ont les promesses, those who have le promises, Seigneur fait tout. The Lord does all. Il a convaincu. And he convinced. Vous connaissez Sarah aussi. You know Sarah also. Quand elle commençait à rire, est-ce que c'est possible? When she was le laughing, Seigneur lui is a it parlé. Possible? The Lord spoke est-ce to y her. Y a quelque chose d'impossible? Is this anything impossible? Et regarde, je reviendrai à cette même époque. I will come in this same time. Et Sarah. And Sarah. Tu auras un enfant. You will have a child. Et la Bible nous montre que. And the Bible is showing us that. Sarah avait cru à la fidélité de Dieu. Sarah believed in the faithfulness of vous God. Vous le croyant. You pour believers, les élus, for the believers, même s'il faut un miracle, even if you need a Dieu miracle, le fait God will do it pour relever votre foi, to lift up your faith, vous affermir, to strengthen puisque you, vous êtes destiné. For you are destined. Mais il y a une deuxième chose, ce que je voudrais garder votre pensée, which I would like to keep your c'est thoughts on this, le serment, it is the ou bien la garantie, or the guarantee. Abraham, quand Dieu lui a dit, Abraham, when God told him, il a cru, he believed. Sa foi avait augmenté. His faith il eut confiance en Dieu. He had trust mais in God. Vous lisez, quand vous continuez dans Genèse 15, là. When you read in Genesis 15. Genèse 15. Genesis 15. 15 n'avons pas, tout n'est pas que révélation. Nous avons des petits points là. Dès que vous all épinglez is ça, not
celui qui est attentif voit que c'est succulent. Whoever is attentive, bon, regardez it is sweet, it is good. Abraham a cru au verset 6. Abraham believed verse 6. Abraham eut confiance en l'Éternel qui lui imputa la justice. Maintenant le verset 7. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Maintenant le verset 8, écoutez verse Abraham. 8, listen to Abraham. Abraham répondit, Seigneur Éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Il veut maintenant ainsi une évidence. He wanted an evidence. Que ce que tu me dis là, which you are telling me, c'est inchangeable. It is unchangeable. Ça va arriver. It will come to pass. Par quoi? Comment? How? Il a déjà cru. He already believed. À la promesse. To the promise. Mais maintenant, but now, Dieu va lui donner la garantie. God will give him the guarantee. Que ce qui est sorti de ma bouche. Now, that which came ne out va of my pas mouth, échouer. Will never fail. Qu'est-ce que Dieu va faire? What will God do? Il lit l'alliance. He tied the covenant avec Abraham. With Abraham. Il dit à Abraham. He said to Abraham. Prends tel type d'animaux. Take this such animal. Prends tel type d'oiseau. Take this type et of et dit, prends bird, les animaux, coupe-les au milieu. Take the animal, cut them in half. Autrefois, quand on faisait une alliance. Another time when they were doing the les gens covenant. Un animal. Having killed an animal, le coupe et se tient au milieu. They were cutting the animal and il they stand si tu trahis, between, if you, l'alliance que nous faisons là, the covenant voilà which we're doing, son. See your reward. Ils se donnent les paroles. They give themselves words pour se lier. To bound. Mais Dieu ici, but God here, quand William Branham prend ça, when, but the Branham lui is il this, prend avec le rapport avec ce qui était ici aux États-Unis. Taking this in accordance to what was here in America. Quand les Chinois sont venus, when the Chinese came, dans ce pays, in this country, ils ne savaient pas écrire les noms des Américains. How to write Americans et name. Ils ont leur nom. They have their own ils names. Ils ne savaient pas écrire les noms ici des they Américains. They didn't know how to write Americans' names. Mais ils étaient beaucoup dans les landries, dans they les were nettoyages doing des habits, laundry business. Alors quand vous venez but, so, avec when you vos come habits, with your clothes, il prend les habits, they will take the clothes, et il fait une alliance avec vous. And they will make a covenant with il you. Coupe la feuille au hasard. They will tear the paper in the middle. Il te donne une partie. They will give you the half. L'autre il attache à vos habits. And the other half you attach it to your clothes. Pour te donner la garantie quand tu viendras. To give you the guarantee that when you return. Amène-moi le bout de papier. Give là. Me that piece je of paper. Je ne connais pas ton nom. I don't know your mais name. Mais si tu amènes ça, but if you bring it, j'ajuste. I will put it ça together and I'm going to read it. Certainement les habits seront pour certainly toi. Your, the clothes will be c'était yours. Ça, comme cela qu'ils faisaient l'alliance. That is how they were doing the mais covenant. Regardez ici ce que Dieu va lui dire. But look here what the Lord will tell Abraham him. Demande, bon, à quoi je reconnaîtrai? Abraham asked, qu'est-ce how qui would I know what assures me? Dieu va lui dire. The Lord will tell him. Verset 9. Verse l'Éternel 9. Lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tout ce qui est écrit là. Et vous verrez qu'il avait coupé en deux. You see that he cut them maintenant, in half. Nous voyons au verset 18. Verse 18. En ces jours-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Amen. Amen. C'était une alliance. That was a covenant. Quand il y a alliance, when there's a covenant, les deux parties sont engagées. The two parts are engaged. Dieu s'engage, il dit, je God le ferai. God engages himself and says, I will do it. Mais quelle est la part d'Abraham? But what is the part of Abraham? Garde la promesse. Keep the promise. Garde ce que je t'ai dit. Keep what I told you. Marche avec droiture. Walk in righteousness. Je vais accomplir à ton égard. I will accomplish in your regard. L'accomplissement, ce n'est pas toi, Abraham. The accomplishment is je not to you. Je te donnerai ce pays ici. I'll give you this land. Vous êtes l'église. Are you the church? C'est la même chose. It is the same thing. Dans cette alliance où nous in sommes. In this covenant which we il are. Il nous a dit dans le psaume. He said in Psalm 119. 119. Regardez ce que nous devons faire. See what we have to do. Psalm 119. Psalm 119. Je suis au verset 57. Verse 57. Ma part, ô Éternel, je le dis, c'est de garder tes paroles. Amen.
Dans cette alliance, c'est ça. In this covenant, that is it. L'exécution, c'est lui. The execution is him. Mais notre part, but our portion, c'est de garder la parole. Is to keep the word. Le Seigneur accomplira. The Lord will accomplish. Si vous voulez comprendre bien, if you like remontez, to understand vous allez well, voir go up, que quand see, vous voyez donc ce que Isaïe a dit, Zahim, see what Isaiah said. Au verset 49 là, verse toujours 49, dans le psaume 119. Psalm 119, 49. Verset 49. Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance. Amen. Verset 50. Verse 50. C'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. Amen. Et maintenant, il va dire and plus loin, saying, que ma part à moi, c'est de garder ta parole. My portion is to keep your word. Et la promesse de Dieu the promise of me God rend la vie. Souviens-toi de ta promesse. Remember your promise. C'est à lui d'exécuter. It is to him to execute. C'est à lui d'accomplir. It's to him to accomplish. À nous de garder la parole. To keep the word. De garder la promesse. Keep the promise. Ce message bien-aimé. This message beloved. C'est un message où it is a message Dieu where a remis God sur le chandelier les promesses. On the candlestick. Garder les promesses. Keep the promise. Et Dieu accomplira tout ce qu'il a promis. And God will accomplish all that he promised. La foi est une ferme assurance faith des choses qu'on espère. Is a firm assurance of things that we hope for. Croyez believe que ce que Dieu dit, that which God il is va saying, le faire. He will do it. Nous serons sans tâche. We will be without any spot. Cela arrivera. That will come to pass. Dieu achèvera son œuvre. God will achieve his work. Avec allégresse. We nous irons dans l'enlèvement. We will go into rapture. Croyez au Seigneur. Believe in the Lord. Et il dit ici, and he's saying here, Dieu se montre garant. God is. Abraham demande, mais à quoi je connaîtrai? Asking how would Dieu I know? Dieu lui donne les garanties. God gives him the guarantee. Et plus loin, and further on, quand nous lisons dans Genèse 22, là, là, il dit certainement les paroles que Paul a reprises dans Hébreux 6. The word that Paul repeated in Hebrews 6. Certainement, je te bénirai. Certainly, I'll donc, bless you. Abraham ne croyait pas seulement comme ça. Did not just il avait les garanties. He had the guarantee. Il avait des choses sûres. He had sure things. Pourquoi est-ce que les gens sont vacillants? Why are people? Ils n'ont pas entendu une garantie. Ils ne sont pas sûrs. They are not sure. Et si ils basculent. That is why they are back. Mais quand vous avez down entendu la vraie parole but de Dieu, when you hear the true les word paroles of God, de l'alliance, the word of the covenant, qui nous lie avec Dieu, which bound us with vous God, savez qui a promis, you know who promised, qui se porte garant, who will, vous êtes tranquille. You are rien calm ne va vous bouger, frère. Nothing will move you, brother. Ça, c'est vrai. This is true. Si vous pensez à un frère if peut you think mourir about a brother can die. Un frère peut. On m'a informé, il y a un serviteur de Dieu en Côte d'Ivoire qui est décédé. In, un frère peut mourir. God. A brother can die. Mais le Seigneur, but the Lord, sa parole, his word, ne peut pas faillir. Cannot fail. Alors nous voyons ici dans le Nouveau Testament, we see here in the New Testament, puisque là c'était l'alliance, because there was the covenant, Paul nous dit Paul is saying, dans Hébreux au chapitre 7, Hebrews 7, prenez un peu ces paroles bien-aimés, let's take these words, beloved, et voyez combien c'est merveilleux, and see how wonderful ce que is le Seigneur Jésus a fait pour nous. What the Lord Jesus has done unto us. Hébreux au chapitre 7, Hebrews chapter 7, je vais lire dès le verset 18. From verse 18. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Donc, la loi et tout ce qui était. The law and what car la was loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Et cela n'a pas eu lieu sans serment. Car les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment. Mais Jésus l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit, le Seigneur a juré, je ne me repentirai pas, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Amen. Vous êtes là? Are you there? Ce n'est pas fini. It is not done. Verset 22. Verse 22. Jésus est par cela même le garant amen d'une alliance plus excellente. Amen. Prenez l'assurance. Take the assurance.
C'est garanti. It is guaranteed. Tout ce qui est écrit dans l'alliance, all that is written in the covenant, dans cette nouvelle alliance, in this new covenant, aura certainement lieu. Will take place. Une alliance. A covenant. Peut-être quand nous parlons de l'alliance, vous ne connaissez maybe pas les paroles qui sont dedans. You don't know the words which are in c'est there. Pourquoi vous pouvez être. Je vous prends seulement une petite parenthèse pour rappeler l'alliance. Parenthesis and remind you the. Et regardez. The covenant. Hébreux 8. Hebrew 8. Verset 6. Verse 6. Mais maintenant, il y a abolition. Maintenant, il a obtenu plutôt un ministère d'autant supérieur qu'il est médiateur d'une alliance plus excellente. Qui a été établi sur les meilleures promesses. Amen. Quelle est cette alliance? What verset 10. Covenant, verse 10. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Amen. Je les écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple. Amen. Personne n'enseignera plus 11. Son concitoyen, ni son frère en disant, connais le Seigneur. Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Amen. Parce que j'ai pardonné leur iniquité et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Amen. C'est écrit. It is written. C'est ça l'alliance. This is the covenant. Le frère dit en anglais unshakable. Donc c'est immuable. It is unshakable. Le Seigneur l'a dit. The Lord said it. Et maintenant, on nous dit que Jésus n'est pas devenu souverain sacrificateur comme l'étaient les Lévites. As the les Lévites was. Sont devenus puisqu'ils sont nés de tel et tel. Il n'y a pas eu de serment. Because there were no oath. Puisqu'ils sont de la tribu de Lévi. Because they are of the tribe of Levites. De la famille de tel. Of the family. Alors descendants d'Aaron et deviennent descendants of Aaron and they become. Mais Jésus, by Jesus, il n'était pas de la tribu de Lévi. He wasn't of the tribe of Levi. Il est né dans la tribu de Judas. He was born in the tribe of Judah. Tribu à laquelle il n'y a pas parlé de sacrificateur. The tribe in which they don't talk about. Là on ne parlait que des rois, les descendants de David. They were talking about kings, the descendant of David. Mais lui est devenu sacrificateur. But he became a high priest. Non pas selon l'ordre. Not in the order mais of Aaron, selon l'ordre de Melchisedec. But according to the order of qui est ce Melchisedec? Who is that Melchisedec? Le sacrificateur d'Abraham. The high priest of Abraham. Il était sans père. He had no father. Sans mère. No mother. Sans généalogie. Sans commencement de vie. No sans fin of de life, vie. No hand et of ce Melchisedec là a été rendu à Jésus. Was brought to Jesus. Semblable au Fils de Dieu. Like the Son of et God. Et Jésus est devenu sacrificateur. And Jesus became avec a high priest. Un serment. With an oath. Et Dieu a dit, je ne me repentirai and pas. God said, I will never repent. Tu es sacrificateur. You are a high priest. Pour toujours. Forever. Je n'aime pas les maisons d'intercession. I don't like house of ils ne sont pas pour toujours. They are not forever. Ils sont eux-mêmes pleins de problèmes. They have avant plenty d'intercéder of problems pour vous. Before interceding nous for avons you. Un intercesseur. We have an intercessor. Qui lui? He who? Il n'est pas de l'ordre des hommes. He's not in of il the order of people. Il n'a pas offert d'abord pour lui-même. He did not offer for himself. Il n'a jamais dit pardonne-moi. He never said forgive non, me. Non, lui-même. Himself. Il est sans péché. He has no et sin. Et il est souverain sacrificateur. And he's a high priest. Et il est en même temps le garant. And he's the same thing there. C'est pourquoi. Quand that Paul is why, parle de ces choses, when Paul is talking of these il nous things, amène dans Corinthiens he's bringing back us et il in dit Corinthians, and he's saying, qu'est-ce que nous devons dire de Corinthiens, deuxième Corinthiens, Corinthiens au chapitre 1er, chapter 1, oh gloire au Seigneur, glory to God. Deuxième Corinthiens chapitre 1er, second Corinthians, chapter 1, il est dit dès le verset 19, from verse 19, car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous, au milieu de vous, par moi Joseph, par Vincent le thème, on peut citer le Sylvain, par Timothée, n'a pas été oui et non, mais en lui il n'y a que oui. Amen. Car, verset 20, verse 20, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui Jésus que le oui. Amen. Et c'est pourquoi encore l'amen par nous, par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Amen. Toutes les promesses de Dieu all the promises of sont God garanties par Jésus. Are guaranteed by through Jesus.
Les hommes, men, quand il est vivant, when he's alive, il peut vous promettre. He can promise you. S'il meurt, tout s'arrête. If he dies, everything stops. Tous les projets de l'homme s'arrêtent. All the project of man tout stops. Tout ce qu'il voulait faire s'arrête. All that he wanted to do il stops. Il construisait, ça s'arrête. He was building, it il stops. Faisait ceci, tout s'arrête. Everything will stop. Mais il n'en est pas de Dieu. But that's not the same of God. Dieu, avec la mort de Jésus, God, with the commence l'exécution death of du Jesus plan. Christ, he started the execution of the plan. Il fallait qu'il meure. He had to die. Et comme il est mort, and nous sommes died, garantis. We are guaranteed. Quand il criait à la croix, il a when dit, he was crying on the cross and tout say, est accompli. He's accomplished. Notre salut est là. Our salvation is there. Puisque Christ est mort. Because Christ died. Nous sommes garantis. We are guaranteed. L'agneau est là. The lamb is le there. Sang est là. The blood is there. Vous pouvez plonger you can go dans ce sang et obtenir le in pardon. That blood and obtain the forgiveness. Gloire au Seigneur. Glory to God. Et Jésus est le garant and Jesus is the guarantor de cette alliance. Of this covenant. Il est le garant des promesses de Dieu. Of the promise of en God. Lui, Jésus est le oui. In Jesus is the et amen. Nous prononçons l'amen and we pronounce à la gloire amen de Dieu. To the glory of God. Les promesses de Dieu n'engagent pas un prédicateur. The promises of God does not engage les promesses de preacher. Dieu n'engagent pas the promise of God does not engage qui que ce soit. Whoever. Non, c'est Dieu it's God et celui qui croit. And the one who believes. C'est tout. That's all. Si vous croyez, if you believe, vous verrez la gloire de Dieu. You see the glory of God. Ce que Dieu a promis, all that God promised, c'est oui. It is yes. Pour vous rassurer, je peux encore évoquer I can un petit exemple de Rahab. Example of Ahab. Puisque dans le livre d'Hébreux où nous sommes, for in the book of Hebrew where we are, on nous parle aussi. They are also talking. Vous voyez dans Hébreux, see in Hebrew, on nous cite les héros de la foi. They are citing Herod. On nous dit dans Hébreux 11. In Hebrew 11, au verset 31, verse 31, la Bible dit, c'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait cru, elle avait reçu les espions avec bienveillance. Rahab, la prostituée, Rahab, the prostitute, elle vivait dans une nation, she was living in a nation qui était vouée la destruction. Which was to be destroyed. Mais elle, elle avait obtenu grâce. But she had grace. Comme nous aujourd'hui, nous vivons dans cette Amérique. As we are living in this nous America. Nous savons ce qui pèse sur le monde. We know what is heavy on the et world. En particulier sur cette nation. And in particularity on this mais nation. Mais Dieu soit loué puisque nous avons trouvé grâce. But God be praised because we have found grace. Quand elle a vu deux hommes venir. When he saw two men coming. C'était les espions que Josué avait envoyés. Those were spies which Joshua pour aller sent. Pour espionner le pays. To go watch over the country. Elle les a reçus. He received elle them, a commencé à confesser devant eux. And he started to confess before elle dit, them. Nous avons appris. He said, we learned des choses que l'Éternel a fait. Of the things which the nous Lord did. Nous sommes en train de trembler. We are shaking. Nous savons que ce pays vous a été donné. We know that this land has been given mais unto regardez, you. Elle cherche les faveurs. She's looking for favor. Ces gens lui disent non si nous venons. Those people told him if we toi, come, tu seras épargné. You will be put aside. C'était des paroles. La Bible dit que c'est par la foi. The Bible elle avait la was foi. By faith. She had mais faith. La foi a besoin de garantie. But faith need guarantee. La foi a besoin de l'assurance. Faith need assurance. La foi a besoin d'un serment. Faith need assurance. La foi veut se reposer sur des choses solides. Faith need to rest on alors solid elle va things. Leur poser la question. And she asked allez them the question. Allez dans Josué chapitre 2. Go in Joshua, prenons seulement ce petit verset. Regardez bien aimé. See, beloved, Josué chapitre 2, Joshua, verset 13. Verse 13. Alors qu'est-ce qu'elle va leur dire? See what she donnez-moi l'assurance. Donnez-moi le serment. Donnez-moi la garantie que vous laisserez vivre mon père, ma mère, ma mère, mes frères, mes soeurs et tous ceux qui leur appartiennent et que vous nous sauverez de la mort. Amen. Il veut l'assurance. They want the assurance. Et quand qu'est-ce qu'on lui a dit? What was told on lui dit, to her? Prends le fil rouge. He said, take a red rope. Tu vois la fenêtre par laquelle tu nous sors? You see the window of which we're gonna come out. Mets ce fil là ici. Put that rope there. Ce fil ne représentait rien pour le reste des gens. That rope did not mean anything for un fil rouge. Rest, a red qu'est-ce rope. Que ça ne signifie? Rien. What does it mean? Nothing. Mais c'était un signe. But it was a sign. C'était un symbole. It was a symbol.
Aujourd'hui, today, quand nous parlons du sang de Jésus, when we speak of the blood of Jesus, les gens ne voient rien de spécial. People don't see anything of special. Un homme, amen, il a à peine 5 litres de sang ou quoi là aujourd'hui. C'est rien, tout it ça. Is nothing. Mais pour nous, but for us, c'est capital. It is capital. C'est le signe. It is a sign. Du sang là, of that, of the blood, est sorti l'esprit. Came out, qui vient the sur nous, which comes on us, qui nous garantit, which guarantees que la résurrection est pour that nous, the resurrection is for us, que la destruction ne va pas nous atteindre, that the destruction will not reach us, que la restauration est pour nous, that the restoration is la for transmutation us, de corps c'est pour the nous, transmission of the body is for us. Nous serons sans péché, ça c'est we'll, pour we'll nous. Be without any mais sins, Dieu this is for doit us. Nous donner une garantie. But God has to give us a guarantee, un signe, a sign, un symbole, a symbol, qui l'applique sur nos cœurs, which applies on pour our dire ceux-ci sont les miens. To say these are mine. Si vous n'avez pas ce signe-là, if you don't have that sign, vous ne lui appartenez pas. You won't belong vous to allez him. Périr avec ceux qui vont périr. You will die with those who will die. Si l'esprit if the spirit de celui qui a ressuscité Jésus of the one who rose Jesus among n'habite the dead, pas en vous, does not dwell in you, recevez le Saint-Esprit, receive the Holy Spirit, recherchez le Saint-Esprit, seek the Holy Spirit, tout le reste des choses, all the rest passeront, we pass. Celui qui a le Saint-Esprit, the one who has the Holy Spirit, la Bible dit, the Bible says, Ephésiens chapitre 1, Ephesians chapter 1, verset 13. Verse 13. Nous aussi, we also, après avoir entendu la parole de vérité, after hearing the word of truth, nous avons cru. We have believed, et nous avons reçu and we received, l'Esprit qui a été promis, the Spirit which was lequel promised, est un gage ou une garantie which de notre is a guarantee rédemption. Of our redemption. Est-ce que vous suivez? Are you following? Souciez-vous de ça, bien-aimé. Worry of this, beloved. Rahab, dis-moi, donne-moi la preuve. Rahab said, give me the proof quand vous viendrez, that when you come, vous n'allez pas me tuer, you won't kill me, vous ne tuerez pas ma famille, you won't kill my family, et tout ce qui nous appartient. And all that belongs to us. La garantie, the guarantee est nécessaire, it is necessary, pour que je fonde ma foi, so that I can fond my faith dit, of what you vous said, allez l'exécuter, and you will accomplish it. Vous êtes l'église. Are you the church? C'est ça la chose que l'église a besoin. That is the thing that the church needs. Et Dieu nous en a donné. And God gave ne that unto pas, us. Ne pouvons pas plus grand he couldn't que swear to anyone greater than il him. Il nous a fait la promesse. He made us the promise. Et il a garanti la and promesse. And he guaranteed the promise. Jésus est le garant de cette promesse. Jesus is the guarantor of that promise. Promesse, and whoever received this promise, God will give him a sign. Vous savez, avec Abraham, you know, if Abraham Dieu lui a dit, he told après him, l'alliance, after the covenant, il lui dit, maintenant, je te donne un signe, he said, now I give you a sign, la circoncision. The circumcision. Chaque enfant qui est sorti de every toi, child that comes out of il you, doit circoncire. He has to be c'est circumcised. Ce qui prouvera que this will prove il that est de ta famille. He is born of, from même your family. Un enfant qui est né dans ta maison, all the children that un travailleur ou qui, a worker, il devra faire observer ça. They have to observe this. C'est la même chose aujourd'hui. It is the same thing today. Dieu nous a donné les promesses. God gave us the promises. Il les a garanties. He guaranteed et it. Et il donne un symbole. And he gave us a il symbol. Il donne un signe. He gave us a c'est sign. C'est le Saint-Esprit. It is the Holy Spirit. Ainsi, bien-aimé. Therefore, beloved. Vous pouvez vous dire, mais comment puis-je l'avoir fait? He said, how can I have, la Bible have dit, it, brothers? Repentez-vous. The Bible says, repent. Faites-vous baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Be baptized in the name et of the Lord Jesus Christ. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. And you will receive the gift of la the Holy Spirit. La promesse est pour vous. The promises are for pour you. Pour vos enfants. For your children. Et pour tous ceux qui sont au loin, and for all those même who are à Atlanta, even in Atlanta, en aussi grand nombre, for as many as que le Seigneur les appelait, the Lord will call them. Le Saint Esprit, il y en a beaucoup. The Holy Spirit, there are many. C'est infini. It is infinite. Pour nous tous, for us all. Vous connaissez la femme de, dans le livre du roi là? You know the woman in the Book of Kings qui était venue auprès d'Élisée. Who came toward Elijah? C'était une veuve, un temps she was difficile. A widow, a hard time. Josué lui a dit, Joshua told va her, prendre tout ce que tu peux avoir comme calebasse, bidon, as containers, et il y aura de l'huile, and there will be oil. Tu vas commencer à remplir, you will be filling up, et tout ce qu'on a amené, all that they will bring il y en avait toujours, there were always, lorsqu'il a demandé aux enfants, est-ce qu'il y a plus when de bidons? She asked to the children, is there on any dit, containers? Il y en a plus. They told her there is no cessé. More, and she stopped. Il y en a pour tout le monde. There is en for aussi everyone. Grand nombre. For as many as venir, we can come, le Seigneur nous donne. The Lord will give. Vous êtes là. Are you there? Alors nous considérons parlant de la foi, bien-aimés. Prenons cette exhortation dans Hébreux. Let's take this exhortation in Hebrew. Hébreux chapitre 11. Hebrew 11. L'apôtre Pierre et Paul dit.
Peter is saying, or la foi est une ferme assurance, premier verset, verse des one, choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Amen. Verset 3 maintenant. Verse 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Amen. Je désire m'attarder un peu sur ce verset 3. I would like to stay on this verse 3. La Bible nous dit la foi, the Bible is saying faith, est une ferme assurance, is a firm assurance, des choses qu'on espère, of things that we hope for. C'est tellement réel pour vous, it is so real for you, que vous pouvez dire comme je me sens, that you can say as I'm je feeling, je porte la chemise, I have a shirt, j'ai une veste au-dessus, I have a jacket. Donc on quelqu'un top ne peut pas me nier ça. No one can deny je sais, this je of le me sens. I know and I feel it. Vous savez, quand vous avez la foi, you know when you have faith, ce n'est pas de l'imagination. It's not an imagination. Non, la foi vient de ce qu'on entend. Faith vous a promis. Comes from hearing. They promised. Que tout le monde soit un peu réveillé, qu'il may entende. Each one of us be awake and écoutez, listen. Bien aimé. Listen, beloved. Maintenant là, nous avons les sens que nous avons. Now we have the senses which we have. Quand je parle. When I speak. Il y a des choses que je vois. There are things which I can see. Je peux regarder, ça c'est le micro. I can look and say this is the puisque microphone. Puisque mes yeux ont vu. For my eyes saw. Quelqu'un ne peut pas me douter ça. No one can doubt this mais of me. Il y a aussi le toucher, je peux ne pas regarder. There's also je the touch. I cannot not look, but I can touch. Je sens ça. I can feel this. Ça, je dis ça c'est le micro. I say this is a microphone. Vous pouvez me donner l'orange. You can give me an orange. Même si mes yeux sont fermés. Even if my eyes are closed. Vous me mettez sur la bouche. You put it on in my mouth. Je goûte. I taste. Je vais dire ça c'est l'orange. I'll say this is an orange. Je n'ai pas vu. I didn't see. Je n'ai pas touché. I didn't touch. Mais le sens là, j'ai goûté. The touch, I tasted. Et j'ai pu vous affirmer. And I confirmed to mais you. Mais il y a aussi un sens. But there's also another que sense. Je peux être là. That I can be les here. Yeux fermés. My house je n'ai pas touché. I didn't touch. Vous entendez à la porte. Con, con, con. You hear a knock at the door. C'est qui? Who is it? Vous dites, c'est moi. You say it's me. Oh, vous dites, ah, c'est le frère qui est you venu. Say it's the brother mais who came. Comment tu l'as connu que c'est how lui? Did you know that it is him? Tu ne l'as pas vu. You didn't see him. Tu ne l'as pas touché. You didn't touch him. Tu n'as pas goûté. You didn't taste. Mais tu as entendu. But you heard. Et tu crois que c'était le frère. You believe that is tu l'as identifié par la you foi. Identify him by faith. La parole que nous entendons. The word which we are elle hearing, crée la foi en nous. Create faith in nous us. Savons que c'est aussi vrai. We know that it's also true. On n'a pas encore vu. We haven't seen. Mais Dieu a dit. But God said, nous croyons qu'il y a un Dieu qui existe. And we believe that there's a God who exists. Et c'est tellement réel. And it is so real. Dieu au commencement. God at the beginning. Quand il voulait créer. When he wanted to create. Il s'est donné la forme. He gave himself a form. Frères, sœurs, brothers and sisters. Au ciel il y a un être. In heaven there is a being. Il ne sait pas qu'il y a le vent comme it's ça. Non. Just wind. Il y a no. un être. There is a being. Il est descendu. He came down. Et il avait la forme. And he has a, he il had dit a form. Faisons l'homme à notre image. He said, let's make a man à notre in our ressemblance. Image, in our likeness. Et quand Dieu voulait vivre. And when God wanted sur to la live terre. On earth, il n'est pas venu dans un vent. He did not come in il a wind. Pris encore un corps humain. He took a human body. En Jésus Christ. In Jesus Christ. Il est venu. He came. Frère, au ciel il y a un être. Brother, in heaven, there is a being. Nous croyons. We que Dieu existe. That God exists. Nous ne faisons pas we don't do une religion comme ça. A religion just et like that. Éduquez bien les enfants. Educate good ne les laissez children. Pas emporter dans des philosophies. Don't let them go with des philosophies, petites philosophies. The small philosophies. Et des gens impies. Of people des gens sans pure, Dieu qui peuvent douter God, cette réalité. That, Dieu that est réel. God is real. Dieu existe. God exists. Cet homme-là de Darwin, là, that, lisez les livres de science, on vous dira. Quand est-ce, Darwin, quand est-ce qu'il a commencé à nier Dieu? When did he start denying God? Et par l'évolution, tout ça. And speaking of il était déçu. That, he was il avait une seule deceived. Fille. Elle he était morte daughter, après avoir prié, elle était catholique. After friend, quoi, she was a Catholic. Alors il a abandonné les choses and de he Dieu. Abandoned the il things commence of God. À philosopher tout he, ça. Nous n'allons pas entrer dans les déceptions des gens. Amen. Non, nous nous connaissons, Dieu existe. We know that God exists. Il y a un être au ciel. And there's a being in heaven. Ainsi bien-aimé.
Therefore, c'est par la foi. It is by faith. C'est aussi réel. It is also real. Mais la Bible dit, but the Bible says, de sorte que les choses que nous voyons, in the way that we see ce n'est pas ça qui a été avant. That is not what, which tout was est d'abord dans le monde spirituel. Everything was in the spiritual et world. Maintenant le physique, and now c'est the physical ce que vous voyez là. Is what you see. Quand vous voyez, when you see, on parle de mariage, about marriages, il y a un mariage spirituel. There's a spiritual marriage. Dans le domaine spirituel, il y a ça. In the spiritual, there is. Comme vous voyez comment le cœur de l'homme quand when il se see, the heart of man est attaché, is attached, la femme elle croit, the woman believes. C'est ce qui se passe entre Christ et l'Église. That's what's happening between Christ and the church. Quand nous voulons parler de la naissance, when we talking about il y a birth, la naissance spirituelle. There's a spiritual birth. Jésus est arrivé me m'a dit à Nicodème. Jesus even said to Nicodemus, si tu ne sais pas comprendre if you cannot understand les choses matérielles que je te parle, the material things which are speaking to you, comment croire ou comprendre? Allons dans Jean. Let's go in John. Évangile selon Jean. John. Au chapitre 3. Chapter 3. Voyez ce qu'il dit au verset 12. See what he's saying in verse 12. Si vous ne comprenez pas, quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Amen. Mais il lui parlait de la naissance. They were talking of the birth. Que si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne peux pas entrer. If you are not born of water and the spirit, et ça le dépassait. And that il dit, dois-je rentrer dans le ventre de ma mère? He says, should I go back in the Jésus lui dit, mais ce qui est né de la chair est chair. Jesus said, what is born si of the flesh is flesh. Dans ton ventre if you de go la mère, tu es né, c'est toujours la chair, la chair. It is flesh. Ce n'est pas ça dont je parle. It's not what I'm talking about. Mais il parlait de la naissance spirituelle. But he was talking about a comparable spiritual birth, à la naissance naturelle. Comparable to the natural birth. Dans la naissance naturelle, il y a l'eau, le sang et l'esprit. Water, blood and or life. C'est ce qui précède. That's what precedes. On voit l'eau, we on see voit water, le sang, we see blood, et la vie vient. And the life comes. Dans le spirituel, la in même the spiritual, chose. The same thing. Dieu God a voulu qu'il y ait l'eau de la parole. Wanted it to be the water qui est le sang, the word, which is the blood, et qu'il y ait la vie, and l'esprit, the life, the spirit, pour que la naissance ait lieu. So that the birth can ce take place, qui est dans le naturel, which is in the natural, ce n'est pas ce qui a été premier. It's not, c'est ce qui est dans le spirituel. Ensuite, le naturel vient. And then the natural comes. Même dans le monde que nous voyons aujourd'hui. Pour vous rendre maintenant la chose claire. To make the thing clear. Brother Branham a prêché un message là. Brother Branham preached a message. Compte à rebours. Et moi, maintenant, le temps où nous sommes là, c'était un temps de compte à rebours. In which we are is. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Why am I trying to la say manière here? Dont nous comptons. In the way nous we pas dans 1 jusqu'à 10. We count from 1 to 10. Mais après, quand vous commencez maintenant à dégringoler, à finir, vous commencez 10, and when you start 9, to, fin- 8, to go down 7, 8, 6, 9, 6 jusqu'à 0. And to 0. Maintenant, là, on compte déjà comme ça. Now, we are counting quand that le way. Fusée veut aller là, on compte when comment the on compte 3, market would like to go up, 2, counting down. 1, 0. 0. Et c'est tout, ça part. And it's gone. C'est un temps de compte à rebours. Et quand nous regardons look, ce qu'il y a dans la science what is in et the science, ce qu'il y a dans le spirituel, and which is in the spiritual, c'est la même chose. It is the same thing. Ce n'est pas ce qui est dans la science seulement que vous voyez it's ou dans le naturel just what is in the que natural vous voyez. That you see. Dans le spirituel, in la the même chose. It is the same thing. Regardez mes frères. See, my brother, l'homme existe sur terre depuis quand? A man exists on earth since when? Ça fait 6000 ans. It's been 6000 years. Que l'homme existe. Mais regarde, depuis que le monde existe là, see, since the world les gens exists, n'inventaient rien. People weren't inventing anything. C'est vers la fin ici it's toward the end here, que les inventions commencent à se succéder. On ne comprend pas. We don't understand. Vous regardez quand est-ce qu'on a inventé le vélo. See, when the, a c'est bike en was 1800 quelques. It's in the 19... quelques années après, pouf. After le moteur qu'on sort, on invente l'automobile. And then the car avec Karl invented. Benz, l'allemand là. With the c'est German, lui qu'on considère que c'est le premier qui a inventé. Is the one they consider that is the first. 1887 quelque chose. In 1870 et something. Ça n'a pas traîné. It wasn't moins long, de 20 ans. Less than en 1903, ici 1903, à North Carolina, here il y a in South M. Carolina, White et son ami là. Ils inventent l'avion. Who invented a plane? Vous pouvez vous imaginer, depuis que le monde existe, là, existed, les gens étaient sur seulement les chameaux, riding camels, sur les chevaux, des années, des années, horses, des centaines, years des centaines. And years. Mais
maintenant là, but now, c'est une vitesse que vous ne pouvez pas comprendre. Which you cannot understand. Il y a quelqu'un qui était sorti de la prison de Louisiane. There is someone who came from the prison of parmi les Noirs qu'on arrêtait avant là. During the blacks, il a fait plus de 30 ans. He spent dans almost 20 quand years il est sorti, in jail. Il ne comprend pas le monde. And when he came on out, voit, he didn't understand on a des the cellulaires, world. On a, see, ce ne sont pas des choses qu'il a laissées. Those are not things which he left. Il est dans un autre monde. He's in ça va world. Très rapidement. It's going very très fast. Très rapidement. Very fast. Et pouf, on invente l'avion. And maintenant même, on parle déjà de fusées. And now they're talking about rockets. Oh, les gens veulent aller dans l'autre planète. People aller. Want to go another planet. Qu'est-ce qui se passe? What's happening? Si dans le naturel il y a if ça, in the natural, there is this, dans le spirituel, in the spiritual, sachez, c'est la même chose. It is the same thing. Et ceux qui inventaient, and those ou ceux qui inventent jusqu'à aujourd'hui, those who are inventing until now, ils ont des projections. They ils have peuvent vous dire, projections, they can tell you, ce que sera la voiture de 2030. 2030 car will be. Mais ils ont des limites. But they have limits. Il y a des choses qu'ils ne savent pas encore imaginer. There are things which they don't know how to imagine. Ceux qui inventaient le vélo, those who invented the bike, les premiers véhicules, the first car, ils ne pensaient pas qu'il y aura un véhicule comme maintenant, a car like today, où maintenant là, vous pouvez demander à beaucoup de frères, you can ici ask ils démarrent le véhicule là-bas. From here they can il appuie seulement, vous voyez, they will just press and the car il starts. Comment ça? You say how? J'ai appuyé seulement le bouton. Brother, just press the vous button. Comprenez? Et ne pensez pas à ça. They weren't thinking of that. Mais quand est-ce qu'ils ont inventé ce but quand when le matériau était disponible? It's when the material was le moteur available. Inventé, the et maintenant, motor lui, was il a invented, juste ceci, ça devient. And now he had things. Avant ça, il ne pouvait pas. Before that, they couldn't. Vous êtes de l'église? Are you there, church? Que Dieu vous bénisse. May God bless you all. Dans le spirituel, in the spiritual, comprenez le bien. Understand very il y a des frères et des sœurs qui ne comprennent pas pourquoi nous insistons que ces choses-là sont déjà dépassées. These things are past. Ce que les Luther ont fait, what Luther c'était did, comme des grands savants de they Dieu. Were like, ramener la foi, bring back prêcher, the faith, mais preach, ils ne savaient rien de don. But they didn't know anything ils ne savaient rien de guérison, they didn't know de parler about en langue. They ce n'était pas son temps. That was not their time. Est-ce que vous comprenez ça? Do you understand? Ils ne pouvaient, ils n'en parlaient pas. They didn't even speak of it. Puisque le matériau que Dieu so avait the material mis that God put à leur disposition, in their c'était qu'ils présentent la foi, they present the faith, les gens croient correctement. And people believe correctly. Wesley est venu. Wesley came. Les méthodistes ont suivi the Methodists ça. Methodists follow this. Parler de la sanctification. Speaking of sanctification. D'une vie consacrée. Of a consecrated life. C'était le matériau. That was the material. Qu'ils avaient. Which they mais had. Mais ils ne pouvaient pas s'imaginer. But they couldn't parler imagine. Parler en langue. Speaking in tongues. Guérison, miracles. Healings, ce n'était pas miracles, leur temps. That was not their time. Mais dans un petit temps après. But in a small time after. Le pentecôtisme est venu. The Pentecost c'est comme un came, avion qu'on a inventé. It's like a plane which is invented. Où les gens peuvent entrer. Where people can s'envoler enter en l'air. And parler in en langue. Speaking in tongues. Prêcher la guérison divine. The healing mais nous vous life, disons. But we are telling l'âge de l'avion est passé. The age maintenant. Of plane is past. Now, nous voulons aller dans notre planète. We'd like to go in another planet. Il faut des astronautes. We need astronauts. Quand arrivent les Apollo, when the Apollo came, les fusées, the rocket, là on s'assoit. Where we, there we on sit. Ne bouscule plus. We don't push. On est tranquille. We are quiet. Là, calm. Il faut seulement être dans le capsule là. You just have to be in there. Quand vous êtes dedans, when you on are commence à compter there, deux. They start counting down. Trois, deux, three, un, one, zéro. Zero. Un feu s'allume. A fire vous n'avez comes, rien fait. And you didn't do le anything, capsule vous enveloppe. And the capsule just il vous you prend. Will take you il vous amène. And bring là you où il n'y a pas. Where there are no, il n'y a personne là-bas. There is no one there. Vous ne dépendez que you just depend on de la relation que vous avez avec relation which you have le radar. With the radar. Là où nous nous sommes amenés. Where we are brought. Oh, gloire à Dieu. Glory to God. Avec cette parole. With this word. Non, bien-aimés frères. No, beloved brothers. Nous pouvons tester. We can test. Nous pouvons rendre témoignage. We can testify. Que Jésus-Christ est le même. That Jesus Christ is the same. On ne dépend pas d'autre bruit. We don't depend on other noise. Pas d'interférence. Not moi, je pense que non. Nous I sommes dans le capsule là. We are in the capsule. De la parole. Of the word. Il n'y a que ce qui est écrit. There's only what is written. Et notre communication. And our communication. C'est pas la prière. It's through prayers. Le radar communique. The radar communicates. Nous sommes là enveloppés. We are
On ne s'est pas battu, frère. We don't fight, brothers. How can I? Oh, on prend les langues. Eh, barabara. Non, non, on n'apprend pas ça. We don't have that. Ça ne se fait pas. Entrez dans le capsule. Entrez dedans. Enter in there. Dès que c'est le temps, ça part. When it's time, it goes. Vous êtes là en sécurité. You are in security. Vous êtes là, église. Are you there, church? C'est le temps. It is the time. C'est l'âge. C'est le moment. It is the moment. Ce que nous voyons, what we are seeing, ce n'est pas ce qui est premier. It's not what is first. Mais il y a un monde spirituel. But there is a spiritual world. Vous êtes là, église. Are you there, church? Oh, je me sens bien. I feel je crois good. De tout mon cœur. I believe with all my heart qu'il y a un peuple. That there is a people. Frère Frank a prêché. Brother Frank preached. Dans l'île de. In de, the isle. Aujourd'hui, il était dans l'île de Réunion. Now he was in the, où il a prêché hier et aujourd'hui. Mais avant ça, c'était yesterday. L'autre île, la Mauritius. Yesterday l'île was de Maurice. In the island of Mauritius. Et mon neveu qui est là-bas m'a parlé. My cousin who is there spoke this il me dit, to me. C'est une grâce aussi. It is a grace on a also. Des familles, on we a have des families, gens. We have people. Et on a des enfants parfois bien. We have good c'est un des gars children. Qui est trop attaché it au Seigneur. It is a guy who is attached to et God. Là où il est allé en formation, il est where allé. He went in formation, il voulait s'occuper d'organiser là. He wanted to il est allé avant organize. Que Frank vienne. He went before Brother Frank came. Il est allé voir dans la salle si ce he went in the room faire. To see what he could do. Les travailleurs là lui ont dit. And the workers told quelle him, est la différence entre vous what is the difference between you et les catholiques? And the Catholics. Est-ce qu'il y a la différence entre les chrétiens is there et the difference between the Christian parce and Catholics. Il y a beaucoup d'hindous, des gens, des religions. Because there are many Hindus and il other dit, oui, religions. Il y a une différence. And he told him, yes, there's a difference. Les chrétiens ont comme the Christians chef Christ. Have like a chief Christ. Les catholiques Christ. Ont chef le pape. And the Catholic has a chief, the pope. And he started explaining them alors, things. Ils lui disent, and he, they told nous him, n'avons jamais vu we haven't seen des gens comme vous. People like you. Puis les frères sont venus un peu de partout des for villes brother là, came pour assister from aux those réunions. Islands to assist to the meeting. Quel amour, what quelle love, fraîcheur, what refreshment. Et c'est un petit groupe, une centaine seulement de personnes. And it was a small group, just mais a les hundred. Gens de la ville qui les ont vus. But the people of the city who saw them, d'autres comme ça ébahis. They were just ils there, voient des astonished. They saw sisters. Des jupes qui balayaient la route. Donc, dresses which was quel, on ils the ont floor. Vu des gens ordonnés. They saw people. Ces travailleurs là, those workers, ils sont venus. They came. L'autre dit, moi, votre prochaine said, réunion, je viendrai. Your next meeting, I'll come. Je ne comprends pas. Ici, dans cette salle, nous organisons toujours in des this réunions. Room, we always have mais meetings, votre réunion est spéciale. But your meeting is special. Les gens ne dérangent pas, ils ne parlent people pas. Don't speak, ils viennent, ils sont noises, sérieux. They come, they are serious. Et votre pasteur là, un and grand pastor, ministre comme ça, a great il est simple. Like simple. Nous, vous êtes spéciaux. You are special. Ce sont des gens dans le capsule. Those are people in the, nous sommes comme des extraterrestres. We are like aliens. Gloire à Dieu. Glory to mais God. Vous ne comparez pas aux religions. Don't compare yourself nous sommes to un religion. Peuple à part. We are people put apart. Un peuple à part. People put apart. Quelle discipline. What discipline. Allez dans nos maisons. Go in la our houses. La sœur connaît sa place. The sister knows her place. Si elle ose révéler à toi, l'esprit le reprend. To lift up a voice, diminue, the voice ici on calm tu, down. Tu es dans les capsules ici. You le capsule. Le chef. Here the man is et the boss. Elle se met vite à sa place. And she put herself on n'a pas in besoin de beaucoup de versets. Elle connaît we déjà don't ça. Need many verses. She knows this. Elle voit que l'esprit qu'il a pris là n'est pas un bon esprit. She'll see that the spirit that took her is not a good spirit. Capsule. Enter in the capsule. Entrez, c'est large. It is où the le Saint-Esprit fait tout. Where the Holy Spirit does all. La Bible dit. The Bible says, 1 Corinthians 12, nous avons été baptisés we were baptized dans le même esprit in the same spirit pour former un même corps. To form one body. Ce corps-là, that c'est body ce dont je parle. Is of quand which vous I'm êtes dedans, of, talking of when you are tout in there, se perd automatiquement. Everything automatically, et très bientôt, and very soon, le compte à rebours va terminer. The counting down dès qu'on va prononcer zéro, when they promise zero, nous partirons. We will go. Gloire soit rendue au Seigneur. Glory be to God. Croyez-vous au Seigneur? Do you believe in the aimez-vous Lord? Le Seigneur? Do you love the Lord? Avez-vous des garanties? Do you have que ce qu'il promet, il va le faire. He will do. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Je désire qu'on chante ce cantique. I would like to sing this song. J'ai l'assurance de mon salut. I have the assurance of par my soul. Le Seigneur Jésus. Nous allons chanter 176. We're going to sing 176. Oh, what a fortress!
assurance before the Lord. Pour sa grâce, let's thank him for his grace and love. And the glorious Seigneur, nous te louons. Bien-aimé, notre Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, beloved, our Heavenly Father, nous voici encore, nous approchons devant le trône de grâce again, cet après-midi we come near your throne of grace, pour rendre les actions de grâce à ton Saint-Nom. To honor your Saint's name. Merci d'avoir conduit de nouveau nos pas à nos pas en ce lieu pour venir écouter ta parole. Thank you for having led us to this place to hear your word. Toi qui as dit que l'homme ne vit pas du pain seulement, you who said a man should not live by bread alone, mais de toute parole qui procède de ta bouche, but by every word that comes out of your mouth, tu savais la raison pour laquelle nous devrions être ici en ce jour. You know the reason why we have to be here in this day. Et tu nous as accordé la parole appropriée pour chacun. And you have given us the appropriate word for each one of us. La parole de la foi. The word of faith. La parole qui vivifie. The word which vivifies. La parole qui délivre. The word which delivers. Et la parole qui sauve. And the word that saves. Comme nous l'avons entendu. As we just heard. La foi vient de ce que l'on entend. Faith comes from hearing. Et ce que l'on entend de la parole de Christ. And hearing of the word of Christ. Pour l'avoir possédé la foi autrefois, to possess the faith other times, ceux d'autrefois ont reçu un bon témoignage de ta part. Those other times receive a good testimony on ainsi, your behalf. Seigneur, therefore, Lord, comme disait le psalmiste dans son temps, as the psalms used to say in his time, non pas à nous, non pas à nous, not unto us, not unto us, mais à ton nom, donne gloire, but to your name, give glory. Nous remercions ton saint nom. We thank your holy name pour la révélation de ta parole que tu nous as accordée dans ce moment. For the revelation of your word that you have given us. De nous avoir donné ce message particulier. For having given us this particular word. Parce que nous sommes un peuple mis à part. For we are a people put apart. Il n'y a que celui qui est de ta race qui peut croire ces choses. Only the one who's of your race can believe these things. Ces choses cachées aux sages, aux intelligents. These things hidden to the wise and intelligent of the world. Mais qui sont révélées à nous, les petits enfants. But are revealed to us, the small children. Négligés dans ce monde. Neglected in this world. Mais nous avons du prix à tes yeux. But we have the price in your sight. À cause de nous. Because of us. Tu as accepté de devenir homme. You accepted to be a man. Pour pouvoir prendre nos péchés. To take our sins. Tu as porté nos péchés. You bore our sins. Tu es monté à la croix. You took it on the cross. Et tu as dit tout est accompli. And you said all is accomplished. Merci Seigneur pour tes bienfaits à notre égard. Thank you Lord for all your good deeds. Pardonne-nous Seigneur. Forgive us Lord. Car nous sommes à toi. For we are yours. Oui, comme le parent de Samson pouvait le dire. As the parents of Samson could say. La mère de Samson a dit à son époux. The mother of Samson told to que si Dieu his wife, if pouvait God nous tuer, could kill us, il ne pouvait pas accepter notre offrande. He couldn't accept our mais offerings. Comme il a accepté, as he accepted it, ce n'est pas pour nous tuer. It is not to kill us. Mais la promesse qu'il a faite, il va l'accomplir. But the promise which he promised, nous will accomplish également l'Église. We look to the church. Dans ce temps de la fin, in this end time, ce n'est pas pour nous perdre que tu nous as envoyé ce message. It is not to lost us. Ce message est venu pour nous préparer. This message came to prepare afin us. Afin que nous soyons prêts. So that we may be ready. Être dans cette capsule. Be in that capsule. Qui nous prendra dans la gloire. Which will take us into glory. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous. Thank you Lord for all that you do unto merci us. Merci pour les capacités que tu donnes à tes serviteurs. Thank you for the ability that you give to merci your servants. Merci pour ton peuple. Thank you for your people. Ainsi, Seigneur, donne-nous d'écouter comme écoutent les disciples. Therefore, the Lord give us to hear like que tu puisses garder cette parole au-dedans de nous. You may please keep your words into comme us. Comme disait le psalmiste. As the psalm used to say. Ma part, c'est de garder tes paroles. My portion is to keep your word. Nous voudrions garder tes paroles dans nos âmes. We like to keep your word in et us. Et de pouvoir marcher selon ta volonté. And to walk according to your will. Oh Seigneur, merci. Oh Lord, thank you. Car toutes les promesses sont oui et amen en Christ. All the promises are yes and amen. Bénis chacun de nous. Bless each one of us. Sois avec chacun de nous. Be with each one bénis of us. Bénis ton serviteur qui a parlé. Bless your servant who spoke. Et bénis ton église à travers le monde. And bless your church throughout the whole world. Que tu puisses nous guider au travers de ton Saint Esprit. Guide us through your Holy Spirit. Car seul le Saint Esprit nous amènera dans ta for présence. For only the Holy Spirit can bring us into your presence. Comme disait
les deux disciples sur le chemin de Maïs. As the two disciples used to say, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au dedans de nous lorsque nous parlaient? Isn't our heart when burning inside us when he was talking to us? Et nos yeux ne se sont-ils pas ouverts lorsqu'il a brisé le pain? And isn't our eyes opened when he broke the bread? Pour nous aussi en ce temps, tu as brisé le pain pour nous en ce jour. In this time, he also broke the et bread. Et nous sommes dans la joie time. Pour cela. And we are in joy for that. Nous remettons tout à toi. We bring everything tu back connais to le you. Besoin de tes enfants. You know the needs of your sois children. Solution à nos problèmes. Be the solution to our problems. Guéris ceux qui sont malades. Heal those who are sick. Et fortifie les faibles. And strengthen the console weak. Console les affligés. Console the merci pour weak. Toutes choses. Thank you for all things. Bénis Israël ton peuple. Bless Israel your people. Et bénis ton serviteur fidèle et prudent. And bless your faithful and wise dans le nom de servants Jésus. In the name of Jesus. Nous remettons cette assemblée d'Atlanta entre tes mains. We bring this church of Atlanta in your peuple. Hands. Bless your people. Et c'est toi Seigneur qui ramène à toi ceux qui sont you à toi. You are the one who brought back the ones dans that are yours. Jésus, in the name of Jesus Christ. Foi. We pray with faith. Amen.